Comment il est dans le pirogue, il y a combien? Ils sont quatre, sabots. Ils vont sur où? Sur Yatkala. Et les bourricots là? Ils sont venus de Yatkala. Ce matin? Oui. Ok. Hé, hey, Kalo! Hey, il ne faut pas les frayer, attention! Oui, attention avec les vaches là, ça donne beaucoup de lait. Alors, il y a le marché pour ces femmes et les boutons, hein? Ouais.
Ah bon? Oui. Je crois que... Le courrier n'est pas encore arrivé. Bon, l'âme doit venir tout de suite, quoi. L'âme, c'est le 542 TTRN. Bon. Ah, tiens, il est là, je crois. Alors, comment ça va? C'est vous, monsieur. Comment allez-vous? Alors, bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour, monsieur. Oui, et les affaires, ça marche? Oh, ça marche. Les deux. Ça va bien. Et qui c'est celui-là, là? C'est le berger. Oh oui, mais attends un peu à la porte, jeune homme. Hein? Attends un peu. Bon, alors, qu'est-ce que tu as amené? Il y a 200 taureaux. 200 taureaux. Oui. Bon, après? Tout est vacciné. Tout est vacciné? Oui. Il y a le papier du vétérinaire? Il y en a. Ils sont bien portants? Ils sont bien. On peut les envoyer à l'extérieur? Oui, oui. Y a pas... Ils sont pas maigres? Non, du tout. Mais bien. C'est ça. C'est parfait. Ah, voilà le grand pêcheur. Il l'a. Oui. Bon, très bien. Là, ah, regarde, oui. Voilà Idrissa qui vient. Tiens. Oui, avec il l'a, hein. Oui. Toute la compagnie, là, des poissons. Adoro et Koda. Eh bien, alors, donc, je crois que ça va bien marcher, ce jeu aussi, hein. Il amène les poissons. Il amène les poissons. Pour le moment, oui, ils vont nous donner les nouvelles. Bon. Ah, il l'a. Bonne arrivée. Alaykoum salam. Alors, ça va, le poisson? Ça va. Bonsoir, patron. Adrou, ça va? Ça va, Adrou. Alors, la machine, ça marche bien? Bonsoir, ça va? Adrou, comment ça va? Hein? On me demande le poisson partout, partout, partout. En Norvège, en Suisse, partout, hein? Oui. Alors, il faut faire beaucoup la pêche pour gagner beaucoup de poissons, hein? Les moyens pour arranger les hippocampes en mer. Les quoi? Les hippocampes. Les hippopotames? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, les hippopotames? Il a cassé les pirogues, il a mordé le riz, il a mordé personne, il ne marche pas dans les pirogues. Eh, Albora, qu'est-ce que c'est que les hippopotames? Mais les hippopotames, ce sont des amphibies quadrupèdes qui causent trop de dégâts dans les rizières, ça bouffe l'herbe de riz et puis ça le détruit. Il y a un seul moyen, c'est de les prendre et les mettre en prison. Et leur prison, c'est de les tuer, patron. Bon, alors tu vas, je te donne l'autorisation de tuer deux, je vais prévenir les eaux et forêts. Prends note. Bon, voilà. Au revoir, patron. Bon, au revoir. Allez, bonne chance. Ici, le 27, à Yarou. C'est New York. Oui, patron est là. Petit à petit, oui. Patron est là, patron est là. Patron? Ah. Il y a New York qui vous demande. Passez-moi le télé. Allô, New York? Alors, comment ça va, monsieur sans cheveux? Comment ça va? Oui? Alors, vous demandez la livraison des ignames? Ah, oui, oui, oui. Ça va très bien. Oui, attendez, New York, ne bougez pas, hein. Allô? Allô? Attendez, hein. Attendez. Allô, allô, le magasin 36. Allô, New York, ne bougez pas, attendez un peu. Allô, le magasin 36. Oui, le riz est prêt. Oui, allez, vas-y, réponds. Ouais. Alors? Oui, yes. Mon village est vidé. Il vidé pour plenty, good. Là, maintenant, yes. On va aller contrôler M. Moustache. Bon. Si on nous demande, nous sommes dans la boutique de M. Moustache, c'est le bien, numéro 3. Bien, patron. J'ai commandé des bourricots. Il y a 14 qui vont venir et on va les sacher. La chèvre froide de Niamey a déjà dépassé 200. J'ai un télégramme de Paris. On sait à Paris, il n'y a pas de viande. Ils ont demandé 300. Ça fait 500. Ils sont gros, hein. Oui. Ça, c'est celui de Talousa. C'est celui de Talousa. Oui, ils sont gros. Ouais. Ils sont bien gras, là. Oui. Ça, c'est le véhicule qui a été dédié pour prendre les haricots. Oui.
bravo. La 422, oui, reprend le chargement, oui, pour Cotonou. Pour Cotonou. Et de Cotonou, nous avons les transitaires, oui, qui nous l'envoient directement en Europe. De là-bas, il y a beaucoup de... Tout va très bien. Bon. On a reçu des tissus d'un peu partout. Oui. Du sucre. Bonjour, patron. Vous n'avez pas vu ça. L'an prochain, Niamey aura son gratte-ciel. Vous voyez, Niamey va avoir son gratte-ciel, bien sûr. Et il ne consommera pas le palais de verre des Nations Unies, mais... Ouh là là, mais c'est magnifique. Je voudrais vous en parler. Maison étage. Je crois qu'on peut le faire ici, nous. Ah, mais pour la société, hein, un truc comme ça, hein, ça fera du bien, hein, pour le village aussi. Bon, allez, appelez tout le monde au bureau. On va voir ça. Hein? Bonsoir, patron. Bonsoir, asseyez-vous. Eh bien, voilà, monsieur. Vous êtes convoqué à mon bureau. C'est pour vous prévenir que Niamey va avoir, dans un an, une maison à étage, oui, 8 ou 10 étages, par la société El Nasser. Oui. Et je crois que notre société est aussi assez riche pour faire la même chose. Donc, oui, il ne faut pas qu'ils nous dévancent. Parce que eux, ils veulent faire 7 ou 8. Et qu'est-ce que vous proposez si je vous demande de voir un plan pour que j'aille en France, à Paris, voir s'il y a encore des maisons à 12 ou 15 étages pour que nous puissions les dévancer. Parce que les cartes, venez avec moi, monsieur Moustache, les cartes disent bien qu'il y a des plus grandes maisons qui valent 10, 12, 15 étages. Il n'y a pas de raison à ce que nous aussi, on ne peut pas faire une maison à étage. Alors regardez par exemple, le tissu en haut, le coton en bas, le cuir par là, le poisson par là. Je crois que c'est une bonne idée. Nous nous modernisons, mais il faut construire ça en ville. Regardez à Dakar, les maisons sont grandes. Regardez à Abidjan, c'est grand. Il vaut mieux qu'on construise ça à Niamey. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis contre, je ne veux pas qu'on construise des maisons à étage. Pourquoi? Parce que je suis dans la brousse, derrière le troupeau, avec la Londres vertissée. Alors quand les maisons étages sont construites, maintenant je deviens feignant, je ne pars pas en brousse. Bien sûr, je vais loger dedans. Alors c'est pour ça que je ne veux pas qu'on construise des maisons étages. Seulement tu peux aller voir en France. Oui, je vous souhaite bon voyage. Oui. Pour votre voyage prévu pour Paris. Oui. Et espère avoir de vous un souvenir de la plus belle ville du monde que j'apprenais. ITA, ITA Bureau. Alors, une place. Niamey Paris, première classe pour le grand patron de Petit à Petit. Prénom, Zika. Petit à petit, j'aurai mon building. Petit à petit, je serai en France. C'est un gratte-ciel que j'aimerais construire. C'est un gratte-ciel plus haut que celui de Niamey. C'est un gratte-ciel que j'aimerais construire. C'est un gratte-ciel plus haut que celui de Niamey. Petit, les poissons du fleuve. Petit à petit, les bœufs du Niger m'aideront à la construire. Ah, il faut l'âme au revoir. C'est le commerce plus facile. Par ce moyen, j'ai l'oreille. C'était un gratte-ciel. Petit
petit hein quoi que fait amo petit voilà au revoir. Eh bien mon vieux c'est moi c'est le commerce plus facile. Eh bien voilà au revoir. C'était à quoi au revoir. Au 95 Champs-Élysées. Oui. Ce grand est votre ville, hein? Oui, oui, très grand. Toutes les rues, ça se ressemble, hein? Oh, pas tout à fait. Il y a des grandes mais pour avenues, celui a... qui vient d'arriver, vous savez. Ah oui. Ce grand bâtiment à gauche qu'on vient de dépasser. C'est l'hôtel des Invalides. Ah, les hôtels des Invalides. Et ah oui, j'ai, un... par... j'ai entendu parler de ça. Il y a des noirs dedans, parmi... Les Invalides? Oui, il y en a un peu de tout. Ah. En plus, derrière, vous avez le tombeau de Napoléon. Ah oui? Le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée à l'intérieur. Ah, mais là, c'est dangereux, il y a des canons. Qu'est-ce que c'est appelé? C'est les canons de Napoléon. Ah bon? Oui, les canons que Napoléon a pris à différents pays pendant la guerre de Russie, je crois bien. C'est ça, il les a placés. C'est un musée maintenant. C'est un musée. Les gens viennent. Et vous avez des chars allemands également. Il y a deux chars Panzer pris aux Allemands à la libération. Par Napoléon? Ah non, ah non. Nous avons ici devant nous le pont Alexandre qui a été inauguré en 1900 en même temps que la Tour Eiffel à l'exposition en 1900, la Tour Eiffel. Oh vieux, c'est 1900. Oui, en 1900. Ça fait 68 ans, hein? Ça fait 68 ans, ça fait mon âge. Ah, ben mon vieux, je suis du siècle. C'est un plaisir pour vous de les retrouver. Ben oui, bien sûr, et de les voir tous les jours. Et plusieurs fois par jour, même. Tout ce que j'ai entendu depuis, je crois, ça me donne l'impression que les chauffeurs de taxi de Paris sont des dictionnaires vivants. Ah oui, exactement, surtout les anciens. Ah oui, évidemment. Oui. Oui. De 1900, hein? Oui. Et vous habitez Paris? J'habite Paris, tout près de la place Cambronne. Ah. Un nom qui est célèbre.
C'est ça. Tenez, voilà, nous sommes arrivés au 95, juste à côté du Fouquet. Bon, alors, là, très bien. Alors, vous m'attendez, hein? Oui, oui, attendez. Oui. Monsieur Damouré. Oh, bonjour, monsieur Damouré. Comment ça va, monsieur Gambou? Eh bien, ça va, asseyez-vous. Mais vous arrivez comme ça, vous ne m'avez pas prévenu? Ben oui, vous savez, il y a toujours du retard dans les télégrammes. Pourtant, c'est envoyé. Écoutez, asseyez-vous. Merci. Vous avez fait bon voyage? Très bon. Ben, je suis ravi de vous connaître. Ah oui, j'ai fait un bon voyage. Alors, comment ça va, les affaires? Ça marche? Ça va, oui, toujours. Vous recevez tout ce qu'on vous envoie? Enfin, il y a quelquefois du retard, mais on le reçoit, heureusement, oui. Ah bon, ça se liquide bien, ces affaires. Ça va, oui, ça va, je vous remercie. Eh bien, voilà. On veut construire une grande maison à étage, sûrement. Alors, tout le monde, tous les associés sont d'accord pour m'envoyer à Paris pour voir les maisons à étage. Il paraît qu'on en trouve ici, des maisons à étage. Ben, on trouve même que ça. Ah ben, voilà, voilà le but de mon voyage. Je viens voir comment sont les maisons à étage. Comment les gens vivent dans des maisons à étage, comment sont, je sais pas, à peu près tout, quoi. Est-ce que je peux quelque chose pour vous? Parce qu'après tout, nous sommes associés. Oui. Je voudrais que vous m'aidiez à découvrir Paris. Ça, écoutez, découvrir Paris, il faut beaucoup de temps. Pour découvrir Paris, combien de temps il faut? Écoutez, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais vous avez un programme qui m'a l'air bien chargé. Il va vous falloir du temps, peut-être un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas, moi. Oui. Il va falloir que vous appreniez la géographie de Paris. Il faut que vous sachiez où est l'Est, où est l'Ouest. Attendez, attendez, donnez-moi un papier pour faire tout ça. Comme ça, j'ai une feuille de... Bon, alors. Tenez. Eh bien, il faut que vous appreniez la géographie de Paris, il faut que vous appreniez, je ne sais pas moi, les habitudes, les coutumes des gens, la façon dont ils mangent, dont ils s'amusent, dont ils travaillent, dont ils vont à leur travail. Ah oui, monsieur Gabou, l'amour, vous me conseillez de faire l'amour? Écoutez, je ne vous conseille pas de faire l'amour. L'amour, il faut le trouver. C'est une chose qu'on trouve. Eh bien, vous voyez, c'est intéressant. L'amour. Mais à Paris, ça n'est pas impossible. Ah bon, c'est pas impossible? Non, il faut aller dans les endroits où il y a du monde, il faut aller dans les bals, par exemple, vous amuserez beaucoup, il faut aller dans les restaurants, dans les cafés, dans les rues, ah il bon, faut vous bon. Promener au milieu des gens. Alors, dans ce cas, il va falloir écrire à mes copains, parce que pour eux, je ferai une semaine. Alors, s'il faut faire trois mois pour découvrir tout ça, il faut bien leur griffonner quelque chose. Votre secrétaire, mon cher Lam, L-A-M. Je suis à Paris depuis 48 heures. J'ai rencontré monsieur Gabou. Tout va bien comme d'habitude. Mais il n'est pas question de revenir dans une semaine comme prévu. Car pour visiter Paris, il faut 2 à 3 mois. Car il faut recommencer la géographie, l'anthropologie, les jeux, le métro, les bus, les maisons à étage, la mode, les hommes, les femmes, l'amour. L'amour, bien sûr, mademoiselle, je ne ferai pas l'amour avec vous. J'ai dit l'amour. Ne rigolez pas, le bois de Boulogne, etc., etc. Voilà, sur ces lignes, je te salue très bien, ainsi que les autres associés. Signé d'Amouré. Oui. Maintenant, il y a assez de froid. Les pêcheurs ne reçoivent pas assez de poissons. Il n'y a pas assez de poissons. Il n'y a pas assez de poissons. Et les marchés de bétail, est-ce que... S'il n'y a pas assez de poissons, on peut acheter beaucoup de taureaux. Oui, il est préférable. Bonjour, Magira. Voici une lettre pour vous. Salut. Ah, tiens, merci. Ça vient de Paris.
De Paris. Vous les savoir. Mais c'est Paris, c'est très joli. Non, une ville ne serait pas jolie comme ça, jamais. Ça se... Comment ça? Est-ce que tu n'as pas appris que Paris est la plus belle ville du monde entier? Barbara, oui, on va entendre ce que Damoura a dit. Les Parisiens mangent des poulets non égorgés. Mystérieux et catastrophe de bouffement. Toute la cuisine se fait avec du beurre de cochon. Pourquoi il a écrit ces lettres-là? Il est devenu fou. Il est tellement fou. Mais il faut qu'on aille le chercher. C'est pas possible qu'il nous envoie des lettres dit que pour les noms. Oui, il faut aller voir son état. Il faut une lettre. Mais celui qui écrit comme cela là, oui, on ne va pas lui envoyer une lettre. Il faut qu'il parte tout de suite pour qu'il ne nous gaspille pas tout notre... Pourquoi aussi il n'aime pas rester aussi avec lui? Comment rester avec lui? Ils ne vont pas devenir tous fous. Non, je ne reste pas. Dès que je suis parti au bout, dans 2 semaines seulement, je viens. Alors voilà, mon ami Gabou, monsieur Gabou, voilà mon associé, monsieur Lam. Bonjour, monsieur Lam. Bon. Vous voulez vous prendre ce bagage? Bon. C'est tout ce que vous avez comme bagage? Oui. Alors, c'est trop mal que du soleil pour vous parler. Si vous me passez des lunettes, j'ai mal aux yeux. Ah, bon. Tu sais? Oui, d'accord. Il y a le vent qui souffle, il y a mes yeux qui viennent faire de mal. Ah, c'est très bien. Alors, monsieur Gabou, maintenant on est assuré, il a tout expédié, il a même expédié 500 kilos de plus. Mais on ne va pas parler des arachides maintenant. C'est quand même du Damoureux. Oui. C'est Paris tout ça là. Oh non, on n'est pas encore à Paris, monsieur Gabou, non? Non, on est à... C'est la banlieue. On est à Saint-Denis, là, même pas encore. Oui, on n'est pas arrivé à Paris. D'ailleurs, vous voyez, c'est la campagne. C'est la campagne, ça. Ici, là? Oui. On n'est pas dans la ville encore? Non. Moi, je connais Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est le gaz de Paris pour faire la cuisine, pour faire l'eau. Tout ça, c'est le gaz. Tu vois, tout ça, c'est vide. C'est tout le seul, ça, là. Oh non, c'est des lampes. C'est des lampes pour éclairer la nuit. La tour Eiffel, non, pas encore. C'est pas formidable? Oui, et juste là, il y a les entrepôts de la maison Argos, qui est notre rival, comme vous notre savez. Notre rival, oui. Mais on va lui montrer les toiles et les chandeliers. Ah bon, d'accord, mais faut pas trop montrer aussi, hein, parce que il a l'air un peu fatigué, il va dormir. Hein. Où le Tour Eiffel? C'est pas ça, le Tour Eiffel? Non, pas encore. Non, ça c'est l'Arc de Triomphe. Et je vous dis, il est tout blanc parce que notre ministre, M. Malraux, l'a fait blanchir. Oui. C'est une chose romaine, un petit peu. Parce que Napoléon, il voulait imiter les Romains. Ah. J'espère qu'on vous a appris ça à l'école, M. Lam. Oui. Que Napoléon voulait imiter l'Empire romain. Mais il n'a pas été à l'école, M. Lam. Alors, qu'est-ce que tu penses de Paris? Paris? Eh bien, mon vieux, Paris, c'est Paris, hein. Monsieur Gabou, il trouve que Paris, c'est Paris. Regarde tout ça. Allez, entre, mon cher ami. Eh bien, voilà la case qu'on a louée. Bon, pose la neuf là. Ça, c'est la table à manger. Après. Et maintenant, on va tomber dans la salle à coucher. Voilà. Bien sûr, il y a
Le water, la douche. Alors ça, c'est la salle à coucher. Par là, tu as le jardin. Regarde, tu as le jardin là. Oui, je vois. C'est un jardin. Où on se repose. Tu sais que tout ça, ça coûte cher, hein? Ah oui, pas tellement. Pas tellement. C'est pour ça que tu ne veux, pas venir en Afrique. Oh, je me repose. Alors, les femmes, ça va bien là-bas en Afrique? Ça va. Enfin, moi, de mon côté, ça va. Bon, est-ce que tu as amené de la cola? J'ai amené un peu. Il est bon, hein? Ça, c'est tout ce qui manque ici. Il faut faire attention avec ta cola, hein? Tu sais, on a ta nouvelle, tu as écrit des lettres. Hein? Dès que tu bouffes, tu manges des poulets ici qui n'est pas égorgé. Oui. Je crois que tu es fou, oui. Ah parce bon? Que mm-hmm. Non, moi, je ne mange pas un poulet qui n'est pas égorgé. Ah oui, oui, à Paris, tu vas bouffer en tout cas. Il y en a plein. Ah oui? Et avec le coulisse. Ça, là, il n'y a pas moyen. Mm-hmm. Je ne peux pas me faire manger ça, je ne vais pas, parce que... Moi, je ne vais pas rester longtemps ici. Je suis venu pour t'amener seulement. Tu vois, pour que la société marche, il faut faire des affaires. Et les affaires ici, oui. Ce n'est pas facile. Oui. Il faut courir. Le temps, ça va vite, ça presse ici. Tu ne peux pas te rendre compte, il y a 10 millions d'habitants ici. Oh, mais tout ça. 10 millions d'habitants. Les rues, c'est comme ça. C'est comme si tu ouvres, si tu ouvrais plutôt un machin, un sac de mille. Et que tu donnes à des poulets comme les gens sont mélangés, mélangés, mélangés. Quelquefois, on te serre, on te cogne dans les rues, on te pousse. Surtout avec le gros ventre, ça risque d'éclater, il faut aller doucement. Moi-même, je ne veux pas rester ici. Tu vois, le froid commence. Ça fait combien de mois que tu es ici? Le froid commence. Oui, mais je ne te demande pas d'explication. Tu n'es pas venu ici pour rester longtemps. Mais je suis venu pour faire des affaires. Pour la société. Bon, attendez, est-ce que tu peux me montrer Paris, les deux villes qui t'intéressent? Regarde Paris. Tu as vu ça? C'est le jeu d'eau au Trocadéro. Alors, pour tu vois, regarde. Ouh, voilà. La tour Eiffel de Napoléon. Oui, j'ai vu beaucoup de choses, mais rien ne marche pas. Tu comprends rien? Rien. Alors? Tout ça, ça t'intéresse. C'est pour ça que toi, ça t'intéresse pas. Tu vas voir quand tu vas monter au sommet de la tour Eiffel. C'est pas toi seul qui va monter. Il y a toutes les belles jeunes filles qui montent pour regarder en même temps que toi, tu sais. Tu vas voir si c'est pas intéressant. Vous entendez, tour Eiffel. Tour Eiffel, c'est tour Eiffel. Ça veut dire quoi? Tour Eiffel? Tu connais exposition? Oui. Quand on fait l'exposition, ah. Alors il y a très longtemps, oui. Un monsieur qui s'appelle Eiffel a fait cette tour-là. Il a montré aux gens qu'avec le fer, on peut tout faire. Alors depuis, cette tour est restée. Comme je vois que la ville est trop grande, il y a à peu près... Ça s'augmente tous les jours. Regarde les nouvelles constructions, là-bas. Non, non, là-bas, c'est pas Paris. Mais c'est Paris. Non, non. C'est Paris qui continue. Là-bas? Hein? Là-bas, c'est Toulouse. Mon cher ami, alors... il parle de Toulouse. Il est à Paris, mais il voit Toulouse. Tu as des airs de... Tu as des yeux de, c'est pas moi, d'hélicoptère. Voilà, c'est pas possible. Nous allons partir en haut et vous allez voir. On va découvrir des belles montagnes. Peut-être même il y a la neige sur les montagnes. Bon, alors, regarde bien les arbres. Parce que en France, il y a quatre saisons. Oui. Bon, alors le moment, c'est la saison où les feuilles tombent. Avec le froid, les feuilles tombent. Et à partir de la chaleur, quand la chaleur va commencer à venir, eh bien, les feuilles repoussent. Tu vois bien. Alors maintenant, avec cet appareil, tu vois, on monte dans la montagne. Oui.
oui. Sans trop se fatiguer. Mm-hmm. On va découvrir maintenant la montagne. Et on verra ce qu'il y a là-haut. Oui, mais ça se fait pour les vieux, je crois. Pour les jeunes gens, c'est pas la peine de rentrer dans ça. Il peut bien marcher à pied. Oui, mais c'est bon de les connaître aussi. Oui, c'est bon de les reconnaître, comme la première fois on monte. Oui, voilà. Et la deuxième fois, c'est pas la peine, il faut qu'on descende. On descend à pied. Non, viens. Vas-y. Qu'est-ce que c'est, viens. Tu as peur du trou? Monsieur Amboulouin, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes à la même hauteur que les arbres maintenant. Tout ça, c'est joli. Hein? Tout ça, c'est très beau. Un petit bateau. Il aime ça. Oui, prends-le. Eh bien, c'est une glace. Oui. Bon, merci. Regarde bien les arbres, comment ils sont. Ben oui, c'est ça, tu vois. Et puis les arbres plantés dans la rue comme ça, tu sais, c'est nous, c'est pas comme ça. Oui, ça c'est une rue, tu vois, oui. Alors, ou bien c'est ça qu'on dit les arbres les frais. Non, c'est pas les arbres les frais, ça. Non. On veut faire quelque chose avec ça, tu vois, un peu mis comment avec ça, regarde. Oh, oui, peut-être, oui. Hein? Oui. Alors, comment s'appelle l'arbre? Ça s'appelle arbre patate. Oui, ça donne des bons fruits. Hein? Ouais. Ça donne des jolis fruits. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'ils sont plantés ça ici dans la rue. Ouais. Ouais, tu vois, ils sont bons. Hein? Il y a des gros. Alors il y a quoi à vivre là-dedans. Hein? Oui. Il y a toujours des bruits, mon père. Et ça, à Paris, c'est comme ça. Ça? Oui. Tu vois, je t'ai parlé dans ma lettre qu'il n'y a que des histoires de cul. Oui. C'est un magasin, n'est-ce pas, qui fait la propagande pour les cul. Ils n'ont pas honte de montrer ça. Ah, les Français, c'est comme ça. Tu vois, là, il n'y a pas de voiture. Oui. On peut marcher librement. Mm-hmm. On n'a pas les oreilles malades après. Oui. On peut sortir de temps en temps, se promener dans la rue.
Quand je te disais que les arbres sont prisonniers, il y a des choses comme ça, là. Oui, je te crois, parce que tu vas même parce les oiseaux, on ne voit aucun oiseau sur les arbres. Aucun oiseau. C'est malheureux, ça. Hein? Ah, bon. Et en France, à Paris, partout, il y a des choses comme ça. Ça n'aide pas. Et puis, hein, c'est tellement dur. Tu sais, c'est artificiel pour les arbres, hein, parce que partout, il y a des maisons étages. Qu'est-ce que les maisons étages, il y a tas de choses, il y a les passages, il y a les bruits. Il y a la fumée des voitures. Oui, tout ça. Les gaz carboniques, tout ça. Oui. Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Ils creusent d'abord un trou par terre. Ils vont commencer à construire en bas. Monter jusqu'au... Regarde. Alors à cause de ça, on fout tous les arbres en l'air. Ah, c'est pour ça que les arbres sont tristes, tu vois, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas assez d'air pour les arbres. Bon, les gens qui vont... Tu vois, il n'y a aucun arbre qui bouge ici, là. Les gens qui vont habiter dans ce trou, oui. Qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait? Ah, ils vont devenir toujours méchants, oui. Méchants, oui. C'est une question d'orgueil, quoi. Chacun veut montrer qu'il est plus riche. Alors, si son parent est mort, il faut lui faire quelque chose de beau, de grand. Ben, oui, mais ils sont mal partis, tu sais. Enfin, oui. Parce qu'ils n'en pensent pas si Dieu existe. Sans cela, c'est pas bon de construire des maisons de très jolies comme ça sous les tombeaux. C'est pas bon ça. Tu vois? Oui. Vraiment. Alors nous, dans la religion de l'islam, on ne jamais faire ça. Ah non. Hein? Non. Bon. En plus, pour visiter du tombeau, ça n'existe pas. Si le type est mort. Il est mort, c'est tout. Si il est mort, il est mort. La paix de bien, la politique, la paix de mauvais. Merci, monsieur. Ici, on ne se salue pas. Oui. Non. Tu vois bien tout le monde qui circule. Pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Chacun est occupé, ils sont tristes, ils ont toujours des affaires dans la tête. Ils sont comme ça, quoi. Ils sont pas bien. Pourquoi chaque fois, la nuit et la journée, il y a la lumière? La lumière, oui. Ici, c'est la lumière qui parle. Il y a de bonnes choses à voir là-bas. Où ça? Brewster. Brewster? Oui. Oh, c'est des Français qui apprennent à parler anglais. Et comme ils ne savent pas parler anglais, ben, oui. Ils écrivent n'importe quoi, quoi. Moi, bien nourri, hein. C'est quoi ça? C'est lion? C'est quoi? C'est pas lion, c'est pas panthère. C'est pas un animal de chez nous, ça. Tu trouves pas, regarde. Il bouffe que des mouchoirs. L'écriture que je vois Nathalie, ça signifie quoi? Parce que je connais une demoiselle qui s'appelle Nathalie. Ah non, c'est pas ta Nathalie d'Abidjan là, non. Oui. Alors, ampoule, c'est ampoule, c'est tout. Des collines à Paris. Eh bien, c'est gratte-ciel, c'est maison à étage. Pour moi qui viens d'arriver, ça pose des problèmes. Comment d'abord les visiter? Et quand? Et combien de temps il faut pour les visiter? Voilà. Paris. Au milieu de ces collines avec ses bois, ses arbres verts,
ses gratte-ciel, sa tour Eiffel, ses monuments et ses églises. Combien de temps il me faut en réalité pour visiter cette ville? Ça, c'est une montagne. On monte avec difficulté, en tout cas. Partout où on monte, hein. C'est pas facile de monter sur le but de chameau, hein? Cette montagne but de chameau. Oui, c'est pas mal quand même, on voit toujours les maisons à étage. Et bien voilà. Des arbres commencent à pousser. La montagne est taillée. Un joli lac avec des pirogues et des cygnes. Rue de la montagne Saint-Geneviève. Pourtant, on ne voit pas de montagne. Mais on est quand même fatigué. Ça, les gens là-bas, ils ne voudront jamais vous croire. Oui, ils ne voudront pas me croire parce que pour eux, Paris, c'est la petite carte postale avec la tour Eiffel. Paris, c'est la petite carte postale avec le monument de Napoléon. Non, mais ils ne voudront jamais vous croire. Oui, on voit la tour Eiffel, mais la tour Eiffel n'est pas Paris. On voit l'église, je ne sais comment, moi. Souvent, voilà, des montagnes, là. Mais tout ça, c'est pas Paris. 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 Mon vieux Paris est formidable. Il est formidable. Il est magnifique. Comme le magnifique. Bon, maintenant je vais voir. Depuis que je suis à Paris, les lieux que j'ai parcourus, pour pouvoir informer mon cher Lama Niamé. La montagne des Vauriens, là. C'est par là. Où est la tour Eiffel, là? Bon. C'est la tour Eiffel, la tour qui me servira de base. Alors la montagne des Vauriens se trouve ici. Alors il y a la montagne, la petite montagne fosse, la montagne des souris. Moi je croyais qu'il y avait des souris, on m'a dit la montagne des souris, il n'y a pas de souris. Montagne Montsouris. Ah, Sainte-Geneviève. Geneviève vieille. Enfin, de toute façon, soit Geneviève ou Geneviève. Quand je montais au-dessus de Montparnasse, vraiment, c'est une soif horrible. Bismillah.
seule façon de boire dans le petit verre. Alors, désaltéré, content maintenant, je continue de relever. Mes chers amis, vous n'allez jamais croire que je suis devant un fleuve prisonnier. Ce fleuve se voit étranglé. Il ressemble au fleuve Niger dans de certains endroits, mais de toute façon, les eaux se ressemblent, mais ça sent bien que ce fleuve est bien malheureux et que le fleuve Niger est bien en liberté à côté de ce fleuve. Le fleuve de chez nous n'a rien de par rapport au fleuve de Paris. Mon cher Lam, j'ai reçu ta dernière lettre. Bon, le samedi soir, tu sais, oui, les Français n'ont rien à foutre. Paris, c'est trop serré pour eux. L'air, c'est pas bon, ils veulent aller campagne, ils sortent dans les voitures, pleut, la route n'est pas bon, oui, le temps n'est pas bon, tout est mauvais, mais quand même, ils vont aller en campagne pour respirer un peu de bon l'air, quoi. Tu connais ça? Oui, je connais le bon air. À Paris, ils sont étouffés. Comment, ils n'ont pas de bon air là-bas? Ah non, non, ils n'ont pas de bon air. Mais les vaches de France sont vilains, hein? Ils ressemblent à des hippopotames de chez nous. Un peu de phacochères aussi. Ah oui, mon vieux, mais ça fait peur, hein? Voilà, ça fait peur. Ils ont des fourrures. Pendant la saison où il fait froid, l'hiver, là, oui, eh bien, le bon Dieu a prévu pour eux et un vêtement spécial. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Quand le soleil tombe, eh bien, tu peux aller te promener dans les magasins, tu peux aller te promener un peu partout, ben, la nuit ne vient pas d'un coup. Mais il a toujours la fièvre, le soleil. Oui. Mais que faire? Il faut regarder à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, partout pour trouver le soleil. Parce qu'on se guide avec le soleil, mais non, ici, il n'y a pas de soleil. Alors, sur les grandes maisons, il y a des horloges. Alors on regarde les horloges, c'est comme ça que j'ai été invité un jour par un ami et parti de chez moi, n'est-ce pas? Il était, je crois, 11h, 11h15, comme ça, ben, pour aller à l'invitation à midi. Eh bien, il n'y a rien à faire. Avec tout ça, j'ai loupé mon rendez-vous. Il faut courir dans les rues, surtout le mon chemin, évidemment, il y a des horloges. Et dans tout ça, c'est sous la pluie. Alors, mon vieux, pour ne pas attraper un bon rhume, hein, il faut se mettre... Il est midi moins 5. Hey, mon vieux, on risque de louper le rendez-vous. Alors, à défaut du parapluie, hein, on prend le sac en matière plastique qu'on met sur la tête. Pardon, mademoiselle, la rue Bernardin, s'il vous plaît. Je crois que c'est à gauche. Là. Ah, mais c'est un monsieur, excusez-moi. Pardon, monsieur, la rue Bernardin, s'il vous plaît. Écoutez, il me semble que c'est à gauche, mais j'en suis pas sûr. Ah, excusez-moi. À gauche. Bon, merci bien. S'il vous plaît,
pardon. Je fais de l'ethnographie pour le, pour la télé. Je peux prendre vos mesures. Ah, très gentil. Vous êtes un bon garçon. Merci bien. Voilà, vous levez un peu le chapeau. Voilà, merci. Attention, ça fait pas beaucoup mal. Mais pourquoi Vous êtes de Paris? Oui. Vos parents sont de Paris? Oui, mes parents habitent la banlieue parisienne. Ah bon. Quel âge vous avez? 23 ans. 23 ans. Bon, oui. Pourquoi me... C'est pour la télévision. La télévision? Oui. Je veux prendre vos mesures. Comment vous vous appelez? Armel Bocor. Quel âge vous avez? 24 ans. Vos parents sont d'ici? Oui. Et vous-même, vous êtes d'ici? Oui. Très bien. Voilà. Alors, attendez. Baissez les bras. Soulevez un peu les bras. Parfait. Merci bien. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, je fais ça surtout c'est parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés, c'est pour voir le poivre. Ah bon? Voilà, 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 voilà. Vous êtes magnifique, vous êtes assez gros, très bien. C'est parfait. Monsieur, je vais prendre vos mesures si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Mais monsieur, je suis étudiant, je fais de l'anthropologie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il me manque une mesure pour avoir mon diplôme, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez votre carte? Carte de quoi? Je ne sais pas, moi, vous êtes carte étudiant. De quoi? Bon, au revoir, monsieur, je n'ai pas affaire. Non, mais écoutez. Je n'ai pas affaire à un problème. Non, non, mais ça ne fait rien, mais écoutez. 32, 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces Parisiens, ils sont pas beaux. Hein. Ils sont trop. D'abord, ils sont trop petits. Puis ils sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des grosses jambes. Ça ne vaut rien. J'ai 22 ans. Vous êtes de Paris? Oui. Vos parents aussi? Oui, oui, mon père et ma mère. Ah bon, est-ce que je peux voir vos dents un peu, s'il vous plaît? Mes dents? Pourquoi? Oui. Je suis ethnologue. Alors, je vois les dents. Il me reste juste les dents d'une demoiselle pour avoir mon diplôme. Alors, je crois que vous n'allez pas refuser. Non, si vous voulez. Bon. Vous voulez, je vais voir le nombre des dents foutues. Oh là là. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 dents foutues. Vous croyez que c'est grave? Oh non, c'est pas grave. C'est absolument rien du tout. Hein? C'est absolument rien du tout. Venez, je vais vous accompagner un peu. Non, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas la peine. Les dents foutues. Hein. S'il vous plaît, mademoiselle, j'ai fait une enquête sur les dents. Voudrez-vous montrer vos dents, s'il vous plaît? Non, non. Pourquoi? Parce que... Oui, c'est non, ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, c'est pour voir la quantité des dents gâtées. Ah, et oui. Les dents qui... Parce que chez moi, il n'y a jamais des dents gâtées. Regardez. J'ai 32 dents, moins 2 qui n'ont jamais poussé, ça fait 30. On peut le voir. C'est déjà un renseignement, ça. Oui, on peut le voir, s'il vous plaît. Et le costume? Le costume, ça, c'est un... Ça, c'est une veste. Ah, oui. C'est une veste. Comment s'appelle cette veste? Oui, Et ça s'appelle une veste ou un veston. Le pantalon? C'est un pantalon. C'est un pantalon. C'est un targal? Non, je ne sais pas exactement en quoi c'est, mais c'est un pantalon. On peut toucher un peu? Ah oui, 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 oui. Vous tournez les dos, s'il vous plaît, monsieur. Une sorte de chemise. Oui. Vous préférez toujours cette couleur de chemise? J'aime bien cette couleur, oui. Ah bien. Bon, c'est pourquoi vous la portez toujours? Ah, c'est souvent, oui. C'est très ça. Souvent, même. Bon, alors, monsieur, on ne s'est pas présenté. C'est d'amour. D'eau fraîche. Merci bien. De rien. Au revoir, monsieur. On est là vraiment avec de l'eau, hein. Comme une chemise. C'est formidable, ça. La différence par rapport aux maisons sales. Lavage des maisons. Ils vont me prendre de fou quand je vais écrire à Niamey, en Afrique, pour dire qu'on lave les maisons à Paris.
qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est comme ça que vous êtes habillé ici? Vous êtes habillé ici comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ça va pas? Pourquoi il nous regarde comme ça? Il y a longtemps qu'il est là? Je sais pas. Je n'avais pas vu avant. François, c'est pour toi. Hein? Je crois pas. Les femmes de Paris sont très blanches, très belles, avec des belles chevelures, le visage bien peint avec je ne sais n'importe quelle poudre de riz. Mais vraiment, vers le bas, ça ne vaut rien. Hé, les enfants, vous êtes des enfants de démons, vous êtes des iblis. C'est pas comme ça qu'on s'habille. On doit s'habiller plus mieux que ça. Là-haut, ça va, mais en bas, zéro. On rencontre des jeunes gens et des jeunes filles qui se mettent la bouche dans la bouche. C'est pourquoi il y a tellement de tuberculeux ici. Ils n'ont même pas honte, on dirait des bourricots. Ça doit vous donner beaucoup de travail, les feuilles là. Tous les jours, oui. Vous travaillez tous les jours? Tous les jours. Même le dimanche? Même le dimanche. Même s'il fait froid? Même s'il fait froid, oui. Vous êtes du Sénégal? Oui, du Sénégal. J'entends pas la voix. Oui. Vous êtes du Sénégal? Du Sénégal, oui. Ah, c'est bien. Oui. Où c'est la route de l'étoile par là? Tout droit. Tout droit? Oui. Bon, merci bien. Ah, d'accord. Ça va. Alors, ça va toi? Ça va, oui. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, oui. Tranquille. Ça va? Ça va. Bonne forme? Facile. Très bien, magnifique. Vous êtes gentil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce? Il n'a pas répondu, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, magnifique, monsieur. C'est ça. Et il faut répondre. Comment la politesse? Bonjour, bonsoir. Bon, très bien. Le chant ici, la politesse, la réponse est tellement difficile. On dit bonsoir à un monsieur, il répond difficilement. On dirait qu'il a... Bonsoir, monsieur. Personne a perdu son ticket? Bonsoir, madame. Non. Bonjour vos enfants. Bonsoir les enfants. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. 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 Bonsoir les enfants. C'est bien gentil. Et vous êtes magnifique. Hein? Parfait. Les pauvres maîtresses. Les pauvres maîtresses ne répondent même pas. Comment on apprend à éduquer des enfants? Si c'est les enfants qui éduquent les institutrices dans ce pays. Non. La maîtresse ne répond pas, mais les enfants, ça répond. Ouais. C'est tout à fait le contraire. C'est les élèves qui éduquent les maîtres ici. On le prend dans la mer ou au bord de la mer? Au bord de la mer, la mer, avec la mer. Avec la mer. Ah, c'est ça. Il est vivant? Ah oui, bien sûr. Et voilà. Madame, mais ces poulets ne sont pas égorgés. Ah non, ils sont tués électriquement. C'est... Oui, par de l'électricité qui passe, ah, vous voyez, oui. Comme ça là, par deux pics, ils sont tués comme ça. Et le sang coule. Ah.
Ah bon, les sangs coulent quand même. Ah oui, 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 par la gorge. Par la gorge. Par, vous voyez, par le bec. Ah oui, c'est ça. Donc, dans ce pays, on ne gorge pas les poulets, mais on les électrons. Rendez-vous de l'élite entretien. Que veut dire ça de moi? Tu vois ça? Les deux magots, rendez-vous de l'élite intellectuelle. Oui. Intellectuelle, c'est une sous-race. Tu sais, en France, il y a beaucoup de sous-races. Tu sais, la race, il y a encore quelqu'un qui est un peu plus petit que la race. Oui. Les Bretons, oui, etc. Tu connais, comme chez nous, il y a une race de pêcheurs, oui, une race de forgerons, oui, il y a une race de ceci, de cela, c'est ça, intellectuel. Bon, des gens là. Tu connais? Je suis là. Il est belle, hein? Tu peux l'appeler pour moi? Je vais l'appeler? Oui. Tu veux vraiment que je l'appelle? Vraiment, je vais. Dis-donc, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? J'attends quelqu'un qui vient pas regarder les 4 heures. Ah oui, les 4 heures, alors mon vieux, j'ai un camarade qui tombe amoureux pour vous, hein? Si vous voulez venir à notre table. Ça ne vous fera pas du mal, on va discuter. Nous sommes tous les deux directeurs d'une grande société, pour tenir capital 200 millions de francs CFA, c'est-à-dire 400 millions de francs. Hein? Tiens. Alors, si nous sommes là, c'est pour nos affaires, c'est pour voir un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous pensez de Paris? Je ne pense rien de Paris. Je ne pense rien, je pense à toi dès que je te vis. Ah, vous aimez les Parisiens? Je suis amoureux de toi si tu acceptes. On va dire non, c'est pas long. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Eve. Eve? Eve, c'est Hawa. Hawa? Hawa. Et moi, je m'appelle Frédéric. Frédéric, c'est Ibrahim. Frédéric, c'est Ibrahim. Ibrahim? Non, de musulman. Alors, tu veux que je t'appelle Frédéric ou Ibrahim? Frédéric. Bon, eh bien, je t'appelle Frédéric. Moi, je ne peux pas rester sans un blonde à côté de moi parce que je suis venu à Paris. Oh, ben dis donc, t'es exigeant quand même. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Je ne sais pas si c'est comme ça. En France, en général, ça va moins vite. Alors, est-ce que c'est toi qui machines ça? Oui, je savais, oui. Dis donc, Damouré, tu es d'accord? Que je serai amoureuse avec lui? Ben moi, tu sais, il faut réfléchir d'abord, je ne peux moi, pas je dire. Vais. Je ne peux pas donner mon avis tout de suite. Où tu habites? J'habite 4 rues sur 4. C'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui. Écoute, si vous voulez venir me chercher chez moi, vous avez qu'à frapper sur la vitre, à côté de la porte. Puis vous frappez comme ça. 1, 2, 3, 1, 2. Ah, d'amour, regarde ce qui est écrit ici. Oui. Malheur. Hein? Malheur. C'est pas la peine de continuer. Hein? Tu vois? C'est pas malheur, c'est rue Ballard. Rue Ballard, c'est malheur, oui. Non, non, non. C'est M-A, c'est pas malheur. M-A, L-A-R, Ballard. Viens. On ne parle pas le point. Hein, oui, viens, viens. Tu te souviens de la petite musique? Alors, c'est là. Ma chère, je t'aime tant, 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 tant. Hein? Bien. Salut Frédéric. Alors, comment ça va, Eve? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Voilà. Eh bien, vous venez me voir? Oui, bon. Comme promis, bien, oui. Écoutez, venez, rentrez. Maman est là. Maman est là. Là. Viens voir, je vais te présenter les amis dont je te parlais hier. Ah, oui. Ah. Tiens. Voilà Frédéric. Bonjour, bonjour.
Et voilà, l'amouret. L'amouret, ça va, madame? Oui, oui, je fais sur le plan de santé. Ah, bon, très bien. Bon, très amusez-vous. Bien. Oui, d'accord. Ça... Je peux vous accompagner par là? Oh non, je pars par là. Oh ben, je peux vous accompagner par là, ok. Vous êtes sûr? Oui, oh, dommage. Ça y est, parti. Attention, regarde à droite et à gauche. Allez, vas-y. Des choses de ton pays. Ben, je sais pas, moi je voudrais une belle robe, puis des bijoux pour mettre avec. Tu veux pas? Alors. Tu m'enverras ça? D'accord, ben, je veux bien. Et puis, des fourrures, il doit sûrement y avoir des fourrures dans ton pays. Des fourrures. Tu sais, des peaux de bête là, que je puisse mettre. Tu me rapporteras? Ah oui, et puis, je sais pas moi. Des fourrures en France? Oh, pas tellement. Je sais pas moi. Pour une belle fourrure, faut compter 500 000. 500 000. Ça fait 250 000 CFA. Pas tellement cher. Et puis si tu m'aimais beaucoup, tu peux m'acheter une fourrure. Hein? D'accord? D'accord. D'accord, tu me l'enverras quand? Non, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Sinon, on ne fait pas comme ça quand on est amoureux avec une fille, on ne fait pas comme ça. On fait comment? On reste tranquille, on regarde. Oh, mais ça promet, dis donc. Va me dire tout ce que tu veux, je vais t'acheter ça. Ah, c'est gentil. Mais pas trop cher, c'est là, hein? C'est là. Avant, tu commences par les souliers. Pour l'amour, mon vieux, les souliers n'ont pas le droit de... Oh ben, tu sais, il y a des traqués, ils font ça avec leurs chaussures. Ils mettent les souliers sur les lits, hein, ici. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, tu sais que... Oui. Reste tranquille, que je connais ici, pas de sol. Quoi? T'as un débit. M'embrasser. Mais tu sais, maman va arriver bientôt. Hein. Non, elle n'arrive pas, elle n'est pas fini. Ah, mais je t'assure qu'elle va venir. Non. Mais si, allez, dis-moi des choses gentilles. Des choses gentilles? Tu sais qu'en France, les hommes font la cour aux femmes. Oui. Eh bien, quand on fait la cour à une femme, on ne la touche pas, on la regarde et on lui dit des choses très gentilles. Alors, fais-moi la cour. On dit bien, on regarde ça, non? Oh non, non, on regarde et puis on dit des choses, on dit des poèmes, on dit, je sais pas. Oh, tout à fait au contraire, non, c'est pas comme ça. Ah, comment on fait? Ah! Bon, d'abord, je veux pas, et puis je peux pas. Pourquoi? Ben, parce que j'attends un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, un bébé? J'attends un bébé. Quel est le bébé? Ben, ça veut dire que je suis enceinte. Oh, laisse ça d'abord, je ne refuse. Je n'ai pas fini mon amour d'abord. Bah oui, mais tu sais, il ne faut pas finir. Il suffit de commencer dans ce cas-là. Si il y a un bébé après, tu vas me dire ça pas maintenant. Ça fait 3 semaines. Oui, eh ben. Ça fait 3 semaines déjà. Eh ben oui. Un bébé. Eh bien, un bébé, j'ai un bébé maintenant. Combien de fois? Je sais pas, mais je te dis, j'ai un bébé. Souviens-toi. Quoi? Tu te souviens? Oui. Combien de fois? Je sais pas, moi. Si. Bah, dis-moi. Tu le sais, tu as un bébé déjà, alors tu devais savoir. Arrange-moi. Bon. C'est drôlement hypocrite, hein. Oh, salaud. Maman, oh, merde.
mais tout ce qui est rapide. Allez, allez, allez. Non, non. Tak okropne gorąc tutaj, bardzo ciepło. I to très chaud, comment vous supportez ce chaleur? Oui, c'est très chaud. Je veux un peu. Alors, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Frédéric? Racontez-moi un peu ça, ou est-ce que vous préférez que je vous appelle Fred? Ou Freddy, peut-être? Je suis contente de vous voir, justement, parce que... Je crois qu'elle vous a raconté, n'est-ce pas, qu'elle était enceinte, qu'elle attendait un petit bébé. Et vous avez dit, tu me prouves déjà, je n'y ai pas. Si, si, si. Quelle drôle d'histoire. Tu vas m'écouter un peu Tu vas m'écouter un peu? Ça, c'est pas moi seul qui va arranger ça, c'est moi avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qui m'est arrivé là-bas? Hein? Ça fait combien de jours? Qu'on s'est connu, ça fait 2 semaines, je crois. Oui, 2 semaines, oui. Alors, je suis là-bas avec lui. En cause de tout de suite, elle m'a déclaré à l'aide de Dieu qu'il a atteint un enfant dans son ventre. Un enfant de 2 semaines? Oui. Tu crois que c'est vrai, ça? Ah, peut-être à Paris, oui, mais chez nous, ça ne se fait pas. Non. Alors... Et alors, je ne refuse pas. Seulement, tu vois que chaque fois que je viens ici, je porte des pantalons. Deux pantalons, trois, quatre pantalons, ça ne change rien dans la situation. Alors, pour l'enfant, je ne refuse pas. Oui. Je suis enceinte, d'accord, je peux faire le sexe. Oui. Alors, s'il a accouché, si c'est complètement, noir, c'est pour moi. Bien sûr, c'est... Mais si c'est pas noir, c'est pas à moi. Et la mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? La mère m'a dit de payer de l'argent pour examiner sa fille à l'hôpital. Hein? Je ne refuse pas, mais son mec commence à m'engueuler. Si tu veux jamais, ne moi jamais, ni que deviennent ses amis, ni que tu te reviens. Mais où est-ce que vous avez, monsieur? Comment? Moi, de réfléchir, c'est-à-dire... Oui, mais on n'en est plus au point de réflexion, on en est au point d'échec, monsieur. Alors, moi, je peux vous donner, je crois, de quoi écrire, si vous voulez bien. Non, mais... Tu me donnes l'adresse, je te ferai le... Non, 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 monsieur, parce qu'après, on s'en va, et on a vraiment besoin de ça. C'est chaud. Tout de suite, puisque ça se peut qu'on va voyager de notre côté. Alors, j'aimerais beaucoup plus qu'on règle tout ça immédiatement. Tiens, voilà un crayon. Est-ce que vous avez votre chéquier? Oui, laisse moi voir. Mais où est-ce que vous allez? Oh! Voilà! Oh, reviens là, pchat crève! Dirty rotten negro! Et je regrette, oui, j'ai fait une dépense formidable et puis je n'ai rien trouvé encore. Et puis elle est? Elle est là. Alors aujourd'hui, il faut que tu m'amènes là-bas. Je vais faire le malin pour partir tout doucement. Oui, oui. Sa mère est toujours là. Elle est là, oui. Le vieux con. Responsabilité, c'est tout. Pas fait d'accord, mais je pense qu'on peut quand même, je sais pas, je suis pas prêt. Bon, mais ça fait rien, allons-y. Viens, bon, n'assistons pas. Alors, elle, tu pars comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle est en train de te raconter, le bon, là, avec sa mère? Quoi, tu le connais? Oui, je le connais. Et... Il me dit qu'il a un enfant dans son ventre. Il est enceinte. La fille, elle est enceinte. Oui. Bien sûr, elle est enceinte de moi. C'est bien malheureux. Est-ce que tu as l'habitude? C'est ce qu'elle m'a dit.
as l'habitude de voir un enfant qui a deux pères à la fois. Tu as vu ça une fois, toi, dans ta vie? Ou bien tu as entendu ça une fois? Qu'est-ce que tu me racontes? Deux pères à la fois, comment ça? On a discuté, discuté. À un moment donné, on s'est abandonné, il est parti. Moi, j'ai pris ma route. Tu feras attention la prochaine fois. Non, je ne pars plus là-bas. Là, il ne faut pas partir. Il n'y a qu'à abandonner et puis c'est fini. Je lui ai donné une faux adresse. Bon, faux adresse, bon, allez, lève-toi. Faux adresse, regarde, tu lui as donné une faux adresse comme ça. Faux adresse, dans la... Non, je lui ai donné un simple.